L'eau comme la verdure se découvre ou se retrouve presque partout à Chalon-sur-Marne, appelée quelquefois la petite Venise champenoise. L'élégante silhouette de Notre-Dame-en-Vaux s'y reflète admirablement. Sa rivière, ses canaux, ses ruisseaux se mélangent, se recoupent, s'alimentent mutuellement en traversant la ville. Riche de souvenirs historiques, le Mau et le Nau coulent sous des ponts d'une beauté cachée et parcourent les promenades du Jard, véritable écrin de verdure, avec pour toile de fond le château du marché. Les promenades et espaces verts, vastes et bien situés, rendent cette cité très agréable et très aérée. Chalon-sur-Marne, ville d'art et d'histoire, mais aussi ville d'eau et de verdure, la physionomie charmeuse d'une ville de province. FR3 vous salue, France, région 3, bienvenue en province, à Chalon-sur-Marne, en Champagne. Bonsoir à tous et à toutes. Et nous allons commencer par un premier jeu, n'est-ce pas, Monsieur Boin, Éric Boin. Alors, vous avez réalisé cet objet qu'on appelle une fignolante. À quelle occasion et pourquoi? Voilà la question que nous posons aux invités de notre ami Marc Menant. Pourquoi cette fignolante fabriquée par Monsieur Boin? Première question, à vous de trouver la réponse. Une fignolante? Est-ce que ça sert à sport? Non. Non, ça ne sert pas à un sport. C'est fait en quoi? C'est de la ganse rouge, tressée de mes mains. Est-ce que c'est un genre de garrot? Non. Est-ce que ça sert à frapper quelqu'un? Un petit peu. Ah, frapper. Ça sert à frapper. Ah, ça sert à frapper. Un être humain? Oui. Oui. À frapper un être humain. C'est une sorte de silly, de c'est un fouet, une espèce quelque de... chose que les moines se mettent pour se donner pénitence, non? Une silly. Non. C'est pour frapper un être humain. Oui. Une femme? Attention. Non. Pas une femme. Un homme. Ah, un oui. Animal. Hein? Un homme, oui. D'accord. Un homme. Une femme, non? Il a dit un homme. Une femme aussi. Une femme ou un homme? Oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui, oui. Femme ou homme? Mais une c'est femme pour le... ou homme, ça n'a pas de... Ça n'a aucune importance. Enfin, si, ça a de l'importance, mais... Mais c'était médical, c'est utilisé pour... Non. C'est pour le punir? Non plus. C'est un ancien moyen de torture? Pas du tout. C'est tout à fait... Ça, on peut s'en servir maintenant? On s'en sert encore. Vous le frappez pour le plaisir? Non. Remarquez, on ne frappe pas très fort. Mais justement, on vous aide. C'est médical? Est-ce médical? Non plus. Non. C'est pour le plaisir? Non. On insiste là, il y a des connaisseurs, ils sont deux. Non, ce n'est pas pour le plaisir. On frappe pas très fort. C'est pour faire circuler le sang? Ah non. Mais c'est un truc pour frapper, on frappe pas très fort. Il faut attacher? Non, il ne faut pas l'attacher. On frappe. Seulement, on frappe. Mais ça sert à ça, c'est ça son mais non, ça, sa fonction. C'est pour la défense. Non, ce n'est pas pour la défense. Mais ça fonctionne que pour frapper ou ça a un autre usage? C'est un usage symbolique. Un usage symbolique. C'est religieux, mystique. Je vous signale quand même que Patrick Roulan, il y a 12 minutes 30, maintenant il a sonné. Eh ben, il a qu'à sonner, il fait ce qu'il veut, nous on continue. Oui, ben oui, depuis que vous savez qu'éventuellement ça pourrait être pour le plaisir, vous voulez savoir. Bon. Eh ben, vous allez savoir, monsieur, pour 200 francs, dites-nous tout. Alors, Éric Boin, à quelle raison, pourquoi avez-vous fabriqué donc cette fignolante? Ah, pour frapper les tambours. Expliquez-nous. Ah non, alors, je suis d'abord élève à l'École nationale supérieure des arts et métiers de Chalon-sur-Marne. Et il y a une période d'initiation. Et cette période d'initiation se termine au bout de 2 mois d'entrée à l'école. Et j'ai fabriqué de mes mains cette fignolante qui sert à fignoler la tenue que l'on a le jour du baptême des premières années. Voilà donc la réponse à cette question. Alors attendez, on va maintenant vous le dire. Car, attendez. Pendant la cérémonie, je pense savoir qu'à un moment donné, on frappe avec, non? Voilà, pendant la cérémonie, le signe du baptême, ça se rapproche un peu du glaive du chevalier. Alors, voulez-vous nous faire une démonstration, là? Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors, attendez. Imaginons, c'est le jour de votre baptême, cher monsieur. C'est mieux. Voilà, regardez bien, comme ceci. Mettez-vous un petit peu de profil, qu'on voit bien le mouvement. Et comment vous frappez, alors? Allez-y. Alors, faites voir, dépêchons-nous. Voilà. Il faut quelqu'un qui soit à genoux, donc... Jean-Pierre Descombes, mais servi au même. Allez-y, regardez bien. Voilà, voilà pourquoi on frappe. Alors attendez, j'ai toujours rêvé d'être ingénieur un jour. Alors allez-y. Doucement, hein, mon grand. Non, allez-y, carrément. Allez-y. Allez-y, carrément. Oh, oh, ouais. Voilà, cette fignolante. Bravo.
pour nos ingénieurs de l'école des arts et métiers. 3 ans d'école et le diplôme d'ingénieur. C'est une tradition qui est quasiment centenaire, puisque le centenaire sera fêté à Charles-sur-Marne l'an prochain. Merci messieurs, on vous applaudit encore une fois. Bravo. Et quand on... Jean-Pierre. Oui Marc. Quand on frappe trop fort, eh bien ça devient ingénieur des arrêts, tout court. Hein, parce qu'on a tellement mal, on est arrêté par la sécurité sociale. Ça vous fait pas marrer, ça? Pas terrible, ça. Hein. Oh, ouais. On est au mois de juillet. Les manifs, un autre jour, on va faire mettre de l'ordre. Hein. Non, mais ça veut dire... Jean-Pierre Descombes, pardonnez-moi et permettez-moi de vous offrir un moment agréable avec Bernadette Lafont. Oui, lequel, cher Marc? Non, mais on est là pour jouer, mon vieux, faut pas rêver. Bien, alors un mot pour l'autre. C'est bien le jeu que vous avez demandé, monsieur. C'est cela. Des questions que vous allez poser à Bernadette avec un mot de passe. Quel est ce mot de passe? C'est le mot casserole. Ah, alors, question avec casserole, la réponse, point d'interrogation, il faut trouver le mot correspondant. Nous jouons. Bonsoir Bernadette. Bonsoir, comment vous appelez? Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Couchez-vous avec votre casserole? Oui. Est-ce que vous aimez votre casserole? Oui. Est-ce que je pourrais manger votre casserole? Je vois rien aussi. Je crois que je vous en empêcherai. Est-ce que votre casserole coûte cher? Elle n'a pas de prix. Votre casserole est-il vivante? Est-il? Est-elle drôle de genre, votre casserole? Oui, oui, oui. Très, très, très. Est-ce qu'elle coûte cher votre... Ah, j'ai déjà dit. Avez-vous votre casserole depuis longtemps? Depuis toujours. Pouvez-vous me faire voir votre casserole? On n'a pas eu la réponse de Bernadette. Alors, je ne sais pas si on a un problème de son. On va... Comment ça? Mais non, vous l'avez... Ah bah oui, c'est vrai que le téléviseur, il est éteint. Eh oui, car pour ce jeu, on coupe les téléviseurs pour pas qu'on voit le mot, la réponse. Bah, c'est pas grave, on vous l'a mimé, vous aviez qu'à l'imaginer. C'est bien. Tout. Monsieur, sachez que quand la casserole est usagée, on peut la jeter au panier. Et donc, je vous demande maintenant, quelle est cette casserole? Hein? Les carottes sont cuites. Je sais pas de quoi il parle, là. Moi non plus. Alors, quel était le mot correspondant au mot casserole? 3 secondes de réflexion. Monsieur, attention, 1, 2, 3, top. Eh bien, la réponse, il s'agissait de la main. Et voilà, il s'agissait de main. Eh oui. Soyez pas déçus, monsieur. Si vous savez être patient, grâce aux relations de Jean-Pierre Descombes, vous pourrez faire une grosse bise à Bernadette Lafont et ça vaut largement les 100 francs que vous auriez eu autrement. Vous auriez été embarrassé avec ces 100 francs-là. Qu'en auriez-vous fait? Hein? Tandis que... Donc, dites-moi Bernadette. Oui. Ça marche bien le film avec Mocky? Ça fait un moment qu'il a l'affiche. Le pactole. Le pactole, oui, oui. Hein? Ça va très bien. Ça va très bien. Très, très bien. Et vous n'allez pas en tourner un autre, là, bientôt? Si? Pour l'instant, je suis toujours sur le pactole. Bon, bah, très bien. Eh bien, allez sur le pactole, c'est parfait. Jean-Pierre Descombes, je regarde et je dis ce soir, vous êtes un homme gâté. Mmh. Après Bernadette, regardez ce que je vous offre. Mmh. Bravo. Mmh. Bravo, bravo. Cet homme ne tiendra pas le mois de juillet. Heureusement que ça se termine fin septembre, les Jeux. Hein, hein Jean-Pierre? La date n'est pas fixée, mon cher. Ah, bon, très bien. Alors, nous allons maintenant jouer avec vous. Et vous allez jouer au dira-dira pas, c'est-à-dire qu'on va vous poser quelques questions et un mot à ne pas prononcer. Votre prénom? Isabelle. Isabelle, c'était le mot qu'il ne fallait pas dire, vous avez perdu. Non, vous restez là, allez, nous jouons. Allez, c'est parti. Il essaie de rejoindre Menon. Bon, bonjour Isabelle. Vous allez au cinéma? Oh, pas très souvent. Vous allez au théâtre? Pas du tout. Ah, pas du tout. Vous allez jamais voir aucun spectacle? Ah non, jamais. Vous m'avez jamais vue au cinéma, à la télévision Au cinéma, oui. Dans quoi? Oh, je me souviens plus des titres, mais je vous ai déjà vue. Vous vous souvenez plus des titres? Non. Bon. Hein? Et qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Vous regardez à la télévision, quelquefois? Oh, bien sûr, souvent. Qu'est-ce même. Que vous regardez comme émission? Oh, ben, tout ce qui passe à la télé. C'est-à-dire? Ben, la variété, des films. Ouais. Et ben voilà!
Voilà, c'était ça qu'il fallait pas faire. Je suis désolée. À propos de film, vous aussi, ça marche bien. Vous êtes sortie pratiquement en même temps que Bernadette et toujours à l'affiche avec notre ami Michel Galabru. Et notre ami Molière, oui. Hein, ouais. Oui, beau film. Un très beau film, et puis Michel Galabru qui se fait violer par... déguisé en femme, qui se fait violer par de Suisse, c'est pas mal. Mais moi, je l'ai vu, j'ai bien aimé, surtout cette scène-là. Alors... Monsieur... Attendez, c'est monsieur de... Allez-y, dites-moi, je me souviens plus monsieur de qui. Monsieur de... Poursognac. Eh ben voilà, il fallait le dire. Jean-Pierre Descombes, on continue. Il fallait le dire, surtout avant le dira pas. Et c'est monsieur qui va jouer. Votre prénom, monsieur ? Joël. Allez, on joue avec Joël. Monsieur Joël. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes marié ? Bien sûr, oui. Vous avez une famille ? Oui, bien sûr. J'ai 3 enfants. Et ben voilà. C'était 3 ou enfants qu'il fallait pas dire, d'après vous ? Comment ? C'était 3 ou enfants qu'il fallait pas dire ? Enfant ? Oui, tout à fait. Je suis désolée. Perdu. Je suis désolée. Eh bien, ne soyez pas désolée. Vous êtes hypocrite par moment. Vous en moquez qu'il est perdu, monsieur. Je suis contente d'avoir gagné. Ah bon, alors c'est double, quoi. C'est ouais, d'accord. Les 100 francs, soyez rassurés, ne seront pas dans votre poche. Ils iront droit dans les caisses des bonnes œuvres de la ville de Chalon-sur-Marne. Nous sommes. D'accord, Jean-Pierre ? D'accord, Marc. Maître Capello est en place pour l'électrodico, Jean-Pierre. Vous avez raté votre starter. Ouais. Hein. Bien, les rires des jeux de 20 heures, c'est pour vous, cher monsieur. Et les applaudissements du public, c'est pour vous. Votre nom, votre prénom. Monsieur Panier, Jean-Paul. Et la définition avec la lettre A, c'est encore pour vous. Elle est donnée par Maître Capello. Ah. Et 100 francs par bonne réponse. D'accord. A, 6 lettres, toujours au pluriel. Angoisse, tourment, torture. Angoisse, tourment, torture. Anxiété ? Non, 6 lettres, pluriel. Angoisse, tourment, torture. On pourrait dire que c'est pas beau. Affre. Bravo ! Oui. Eh bien voilà, on vous offre 100 francs et vous avez la lettre N. N. Verbe du premier groupe, 6 lettres. Exposer dans le détail, faire connaître par un récit, raconter. Narrer ? Oui. Bien, on n'arrête pas là-dessus pour autant, puisqu'on a la lettre O maintenant que vous proposez. O, 6 lettres. Se dit d'un mammifère dont les doigts sont terminés par des sabots. Ombre ? Chut ! Ombre ? Non. 3 syllabes. Redonnez la définition, maître. Se dit d'un mammifère dont les doigts sont terminés par des sabots. Ongulé. Or, fort bien. W. Oui. Déjà vu. Importé d'Angleterre. 4 lettres. En Angleterre, membre du Parti libéral. Déjà vu. Libéral. Le W est particulier, nous le savons, c'est Whig. Eh oui. Eh oui. Bien. C'était un ni wig ni non. C'est sûr. En quelque sorte. Ni wig ni nong. Un électrodico assez bref. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Monsieur Hugues Hamilton, vous allez maintenant arriver ici, sur le podium. Les applaudissements d'un public chaleureux. Pour le public, pour les téléspectateurs, une nouvelle chanson. Hugues Hamilton. Cœur à s'éveiller. Oh,
Hamilton, un chanteur qui fait le poids. Et merci, mon bon maître, merci. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mon vieux? Vous êtes bloqué, quoi? Regardez-le, lui, dans quel état il est. Michel Boujna. C'est la musique qui continue. Moi, je veux faire comme les chanteurs. Oui. Vous êtes sûr que vous voulez faire quelque chose comme les autres? Ils sont pas pour les autres. Alors, on va y aller pour un adjectif, Jean-Pierre. Bon, un très bon moment en perspective, n'est-ce pas, chère madame? Vous êtes prête? Jean-Pierre, oui, c'est avec Michel Boujna, l'adjectif. Ah, oui, c'est pas avec alors moi. Alors, c'est pas un très bon moment en perspective. Bon, d'accord. Oui. On y va. On va quand même essayer, n'est-ce pas, de poser quelques questions pour découvrir un adjectif. D'accord? Vous donnez votre prénom? Valérie. Valérie, première question, allez-y. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Avez-vous déjà visité une cave de champagne? Je ne sais même plus si c'était une cave de champagne, mais c'était une cave. Et j'étais pas seul. Je me souviens même. Même avec les bouteilles, c'était bien. C'était super. C'était super. C'était bien. Dans les caves, oui, je me souviens, dans les caves, c'était bien. On était plusieurs. C'était bien. C'était très bien. C'était très bien. Vous devriez d'ailleurs venir avec moi. Qu'est-ce que vous faites après? Vous aussi, vous trouvez plus vilain que des combes. Connaissez-vous le procédé de fabrication du champagne? Je ne connais pas le procédé de fabrication de champagne, mais si vous voulez m'expliquer, ça me plairait bien. Hein. Ça me plairait bien. Avec Fanny aussi, on viendra tous les deux. Et Bernadette. Oui, est-ce... vous avez une autre question? Oui. Est-ce la première fois que vous venez dans notre ville? Oui, ça me plaît, parce que les femmes sont belles ici. Elles sont belles, les femmes, elles sont belles. Oh, qu'elles sont belles! Dommage qu'il y a Menant, parce qu'il est monstrueux. Mais les femmes, elles sont belles. Vive les femmes, oui? Aimez-vous la potée champenoise? Oui, du moment que c'est une femme qui me sert la potée champenoise, ça, j'aime bien. J'aime bien tous les plats. Mais surtout la potée. Du moment qu'il y a une femme qui me sert la potée. Et qu'après, elle reste avec moi, évidemment. Vous voulez bien me servir une potée et rester avec moi après? Pourquoi pas? Quel moyen de transport préférez-vous? Le moyen de transport que je préfère? Je m'en tape du moment qu'il y a une femme avec le moi. Le moyen de transport aussi, donc. Je m'en tape. Le train, l'avion, la bicyclette, du moment qu'il y a une femme avec moi. Ça, c'est bien. Quel est votre style musical? Mon style musical, c'est plutôt... ah oui, il y avait une chanson de Gainsbourg qui faisait... je viens... Aimez-vous voyager? J'aime voyager, j'adore. Plus il y a de femmes dans l'avion, mieux c'est. Dans des pays, moi j'aimerais retrouver un pays où il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des femmes, et moi j'arrive. C'est ça mon rêve, moi. Qu'est-ce... Oui. Voilà, eh bien je dirais... Il n'y a pas une autre question avec des femmes? Non, on s'arrête là-dessus. Mais elle parle tout le temps de femmes, je sais pas ce qu'elle a. Je dirais que c'était une satire, ça commence par un O et au total il y a 6 lettres. O. Oh. Six lettres, il était... Des femmes, je vous défends. Obsédé. 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 Voilà. Tout à fait. Pourtant, c'était pas évident. Hein. Non, mais alors, enfin, quand on voit, on sent qu'il y a des frustrations quand même. Évitez quand même le studio, passez par là. Voilà. Préférable. Hey Michel, vous croyez que c'est uniquement la couleur de l'uniforme qui fait le succès? Si vous avez copié un peu le côté avec... rose. Non, mais vous, monsieur, maintenant, on peut vous mettre un uniforme, n'importe quoi, vous serez toujours aussi monstrueux. C'est vrai, petit bonhomme, tu es mignon et content, petit bonhomme. Alors, Jean-Pierre Descombes, on n'est pas prêt de le reconvoquer. Heureusement que les jeux se terminent. On n'a pas le temps de faire un qui dit mieux, Patrick Roulant? Ah bon, on a débordé pour Boujna, bah dites donc. Jean-Pierre, on se quitte, on leur fait de grosses bises, Bernadette, Fanny. Permettez-moi, mais ça ne sera pas Boujna qui vous la fera, donc hein, tout va bien. Salut Boujna. Bonsoir. Un de ces jours, Boujna. Non. Au revoir, monsieur Menon. Ah bon, alors au revoir, petit bonhomme. Au revoir, monsieur Deco. Bonsoir, Capello. Je dirais 300 francs pour les bonnes œuvres de Chalon-sur-Marne. Très bien. Jean-Pierre Descombes, tu n'es pas du tout comme Boujna, donc obsédé. Vous à vous quitter. Avant, je rappelle que nous avons joué avec l'Union et avec Champagne Dimanche. Jean-Pierre. Bonsoir et à bientôt. Au revoir à tous.